Il est 17h, nous allons commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, Impact, Atténuation, Adaptation. Alors il s'agit, vous le savez certainement, aujourd'hui du dernier direct d'un cycle qui a commencé en octobre 2023 et qui vous a déjà proposé 12 rendez-vous, donc 12 temps d'écoute et d'échange avec des scientifiques, la plupart intervenants dans ce MOOC et qui s'intéressent et qui travaillent de près sur les questions liées au changement climatique. Je vous le rappelle, tous les replays sont à retrouver dans la partie du cours qui est intitulée Direct, mais également sur notre chaîne YouTube UVED. Alors, je ne l'ai pas précisé dans les précédents événements, mais je rappelle que ces événements ont eu beaucoup de succès. Ils ont été suivis en moyenne par 200 personnes, c'est beaucoup. Ça témoigne de tout l'intérêt que vous avez pour ce type d'événement et je vois que vous êtes encore aujourd'hui nombreux à y participer. Pour ce dernier direct, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Léniel, qui est professeur à l'Université Rouen-Normandie et qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème du changement climatique en région. Vous êtes à présent familiarisé avec le principe et le fonctionnement de ces directs. Après cette présentation, donc d'une trentaine de minutes, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, non pas directement, mais en utilisant le fil de discussion qui est situé sur la droite de votre écran. Ma collègue Delphine, que je remercie une nouvelle fois de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenant. Mais entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Benoît Léniel, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de vous présenter. Alors, vous êtes professeur en géosciences et environnement à l'Université de Rouen-Normandie. Vous êtes largement engagé sur des questions de développement durable et de changement climatique, et ce, à différentes échelles, c'est important de le préciser. Par exemple, au plan régional, vous êtes coprésident du GIEC Normand. On en reparlera. Au plan national, vous êtes depuis peu haut fonctionnaire au développement durable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et enfin, au plan international, vous êtes délégué français au GIEC, donc de multiples responsabilités en lien avec la question climatique et ce, à différentes échelles. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous êtes le responsable scientifique de ce MOOC, qui constitue une version mise à jour d'un MOOC que l'on avait produit en 2015. Et Benoît, je profite de ce webinaire et de cette introduction au nom du UVED pour vous remercier d'avoir investi du temps dans ce projet, pour ce projet, qui a rencontré un beau succès avec plus de 13 000 participants, mais aussi une large utilisation de tous les contenus qui ont été produits dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Benoît. J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Benoît, je vous laisse la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange et je m'occupe donc tout de suite du partage d'écran. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? C'est la première diapo? Oui. Oui, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à l'UVED. Ça a été je dois dire, un réel de plaisir de travailler avec vous sur ce sujet et ces enjeux vraiment de portée internationale, nationale et régionale, parce que travailler sur le changement climatique, avoir des connaissances sur le changement climatique à l'échelle globale et nationale, c'est important, mais c'est d'autant plus important aussi d'avoir des connaissances à l'échelle des régions françaises pour, on le verra, se positionner en termes de mesures d'atténuation et d'adaptation qui soient appropriées, pour les territoires. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que pour répondre à ces enjeux, des GREC, des groupes de recherche sur les études sur le changement climatique, ont été mis en place dans les régions. Il existe actuellement à peu près 10 GREC. Et donc, ces GREC apportent la connaissance sur le changement climatique en région, et ils ont comme objectif, donc, non seulement d'apporter cette connaissances, mais également de permettre l'appropriation, la sensibilisation de tous les acteurs socio-économiques pour massifier l'action en termes
d'atténuation sur le changement climatique et d'adaptation. Alors ici, ce qu'on peut voir sur... J'ai pris donc trois exemples de régions, hein, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et on peut voir qu'effectivement, quand on parle de réchauffement climatique, c'est une réalité dans les régions françaises, puisque si vous prenez la Normandie et vous tracez des tendances sur l'ensemble des stations normandes de référence, eh bien, vous voyez que depuis 1970, le réchauffement est de plus 1,2 à plus 2 degrés Celsius. Sur la métropole de Rouen, vous voyez que la courbe bleue, les températures minimales de nuit ont augmenté, les températures moyennes en noir ont augmenté, les températures maximales de jour ont augmenté, et c'est valable sur toutes les stations. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes également, quand on applique la méthode des anomalies du GIEC et qu'on compare deux périodes, une période récente à une période ancienne, eh bien là aussi, sur toutes les stations, vous voyez que le réchauffement, c'est une réalité avec plus 2,1, plus 2,7 degrés de réchauffement. Et sur l'Occitanie également. Puisque le réchauffement, quand on compare la période 2001-2020 à 1901, à la période plus ancienne, eh bien vous voyez qu'on est sur plus 1,8 et on peut aller sur la dernière décennie à plus 2,1. Et sur l'exemple de Toulouse, eh bien on voit qu'à partir des années 90, on a vraiment un réchauffement important. Alors, c'est une réalité et que nous indiquent les projections? Donc les projections, comme vous le savez, c'est on simule hein, le réchauffement sur la base de scénarios. Et ici, vous avez deux exemples sur la Normandie et l'Occitanie. Ce qu'on voit sur la Normandie, c'est que vous avez une carte qui apparaît en bleu, c'est les températures moyennes actuelles. Et puis, une projection à l'horizon moyen terme 2040-2070 et long terme 2070-2100. Et les lignes, il faut les regarder. La première ligne, c'est sur le scénario le plus optimiste. Et la deuxième ligne, c'est sur le scénario le plus pessimiste. Donc on a la marge de réchauffement. Et vous voyez que la carte qui était en bleu devient jaune ou rouge, ce qui témoigne qu'on va vers un réchauffement hein, et qui serait compris sur la Normandie, suivant les régions, entre plus 1 et plus 4 degrés. Et sur l'Occitanie, si on prend les différents scénarios et qu'on se positionne à 2100 sur le long terme, vous voyez qu'on irait vers un réchauffement de plus 0,5 à plus 3,8 degrés. Alors j'attire votre attention, c'est que le scénario le plus optimiste n'est malheureusement, qui est celui vers lequel on voudrait tendre dans le cadre de la COP21 globalement. Eh bien, malheureusement, il n'est pas réaliste aujourd'hui. Il n'est pas réaliste et nous sommes sur des réchauffements sur la Normandie de plus 2 à plus 4 degrés et sur l'Occitanie aussi de plus 2 à plus 4 degrés. Donc, nous sommes sur des scénarios intermédiaires hauts, voire un scénario haut au vu de nos émissions de gaz à effet de serre. La suivante. Alors, tout ça va se marquer par une augmentation du nombre de jours de forte chaleur, comme on est actuellement. Alors, ici, là, on a pris les jours supérieurs ou égaux à 30 degrés. Donc, vous voyez sur la courbe sur la Normandie, le premier scénario en vert, c'est notre fameux scénario optimiste. Donc, sur la Normandie, on aurait peu d'évolution sur ce scénario optimiste. Malheureusement, on n'est pas sur ce scénario. On va plutôt, même s'il est un peu exagéré, sur le scénario en rouge. Et ce qui veut dire. Sur une région comme la Normandie, qui n'est pas connue pour ses épisodes de forte chaleur, eh bien, on irait sur les espaces littoraux sur une faible augmentation, 4 à 11 jours, mais vous voyez qu'à l'intérieur des terres, on pourrait aller jusqu'à 30 à 40 jours par an. Et puis, vous avez les projections pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et là, on irait jusqu'à 20 à 50 jours par an. Et vous voyez que sur les grandes métropoles comme Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble ou Saint-Étienne, eh bien, on aurait des maxima de température lors des épisodes de canicule qui atteindraient les 50 degrés. Et ceci renforcé par les phénomènes d'îlots de chaleur en ville, hein, donc 50 degrés en ville. Alors, un autre élément aussi préoccupant, c'est l'élévation du niveau des mers. L'élévation du niveau des mers, ici vous avez là encore les différents scénarios. Sur les projections du GIEC,
on est globalement entre 40 cm et 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Mais là encore, au vu des émissions de gaz à effet de serre, malheureusement, le scénario à 40 cm, vous pouvez le mettre de côté. Et on est plutôt sur 60 cm à 1 mètre d'élévation. Et vous voyez que sur la figure, il y a une ligne rouge en pointillé qui est liée à éventuellement une fonte massive de certains glaciers en Antarctique, qui sont très suivis par les scientifiques. Et à ce moment-là, on pourrait être sur une élévation du niveau des mers de 1,80 m. Alors, ce phénomène d'élévation du niveau des mers sur les littoraux, couplé avec les tempêtes, couplé avec les crues des rivières littorales quand on a des précipitations intenses, vous comprenez bien, va entraîner une augmentation des inondations et du recul du trait de côte. Ici, ce qui est présenté sur cette carte, c'est un exemple sur la Normandie et au-delà sur les Hauts-de-France de l'effet d'une tempête. La tempête, elle est au nord. Et vous voyez que sur le littoral, vous avez des carrés bleus, des ronds rouges et oranges. Quand vous avez un rond rouge et des ronds rouges et oranges, ça veut dire que vous avez une érosion, un recul du trait de côte. Quand vous avez des carrés bleus, vous avez du franchissement et de l'inondation. Et vous voyez que lors d'une tempête majeure, hein, sur le littoral, on aurait pu prendre l'Occitanie aussi, la Méditerranée. Mais alors des tempêtes majeures, vous avez sur tout le littoral des phénomènes d'inondation et de recul du trait de côte. Juste pour afficher le petit texte qui arrive après, il y a une animation. Notre problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que à ces tempêtes qui entraînent des phénomènes de gonflement de surcote, va s'ajouter l'élévation du niveau des mers. Jusqu'à maintenant, ces phénomènes-là, on les avait simplement pour des tempêtes intenses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où vous avez un niveau de la mer qui va être plus haut, les tempêtes modérées qui n'entraînaient pas ces phénomènes-là, puisque le niveau de l'eau est plus haut, eh bien, ces tempêtes vont passer les digues, alors qu'ils ne devraient pas. Donc ça veut dire que même si on n'augmente pas le nombre de tempêtes, eh bien, l'effet combiné entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des submersions et donc des inondations. La suivante. Alors ça, c'est un zoom sur la métropole de Rouen, mais c'est valable, ça peut être extrapolé sur tous les fleuves où il y a une influence de la marée et où il y a aussi des sites industriels. Sur la Seine, on a beaucoup de sites industriels Seveso, et ici, ce qu'on a simulé en orange, c'est les inondations qui sont liées à des phénomènes couplés entre des pluies intenses et des crues de rivière, et une remontée du niveau de la mer qui entraîne un blocage des écoulements. Vous avez confrontation entre deux masses d'eau, et ça déborde de chaque côté. Et le souci, c'est que vous voyez les points rouges sur la carte, ces points rouges sont des sites Seveso, ce qui veut dire que vous avez un aléa naturel, l'inondation liée au changement climatique, qui va entraîner un risque industriel, donc une augmentation des risques industriels. Qui dit risque industriel dit risque sanitaire éventuel, risque économique et risque sociétaux, hein, parce que se pose aussi la question de toutes ces industries sur la vallée de la Seine. La suivante. Alors, sur les ressources en eau, hein, on a entend parler régulièrement depuis 2 ans des problèmes de ressources en eau sur la France, et notamment sur le sud de la France et en Occitanie. Eh bien, vous voyez ici, les projections indiquent une augmentation des températures. Donc forcément, vous avez une augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration. Sur les projections, sur les précipitations, on va vers une diminution des précipitations estivales, une diminution des chutes de neige, une diminution du couvert neigeux. Donc forcément, moins d'eau. Moins d'eau dans les sols, moins d'eau dans les rivières et une reconstitution plus faible des nappes phréatiques. Donc forcément, une diminution des ressources en eau de surface et souterraine. Vous avez ici une carte sur l'évolution des débits en moyenne annuelle sur la France, et vous voyez que rien ne figure en bleu. Le bleu voudrait dire une augmentation, tout est en jaune ou rouge, ce qui veut dire une diminution. Et on aura notamment lors des périodes sèches, ce qu'on appelle les débits d'étiage, des diminutions qui pourraient être de 5 à 30%. À 30%, pardon. À l'opposé, moins de pluie l'été, non, la précédente encore, juste, voilà. Moins de pluie l'été. Mais par contre, plus de précipitations violentes, comme on peut le voir récemment.
Et qui dit des précipitations violentes dit des crues éclairs plus marquées. Et vous voyez que ces dernières années, on en a de plus en plus sur toutes les régions françaises, de plus forts ruissellements, plus d'inondations, plus d'érosion des sols, plus de turbidité de l'eau et plus de coulées de boue, de facto. Les ressources en eau, c'est aussi bien évidemment notre ressource en eau potable, c'est aussi notre nappe d'eau souterraine. Et là aussi, deux exemples. Sur l'Occitanie, c'est un exemple à l'horizon 2050 de la recharge des nappes, c'est-à-dire que de l'eau qui s'infiltre dans les terrains et qui vient recharger les nappes. Et vous voyez que sur les bordures, on est sur une diminution de la recharge qui serait de 5 à 10%, mais au centre de l'Occitanie, on pourrait avoir diminution de cette recharge très importante de 30%. De l'autre côté, sur le bassin de la Seine, eh bien, c'est une diminution, puisqu'on diminue la recharge, on diminue le niveau des nappes. Et vous voyez que sur le bassin de la Seine, ces nappes vont diminuer de 50 cm à 1 mètre au mieux, mais pourraient diminuer dans certaines régions de plus de 5 mètres, voire 10 mètres. Juste là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un problème forcément de disponibilité en eau à certaines périodes, principalement l'été. Et donc, bien évidemment, prévoir des périodes d'économie et de restrictions qui seront plus nombreuses, puisqu'elles arriveront plus souvent chaque année, et elles seront plus longues. Pourquoi? Parce qu'elles commenceront plus tôt dans l'année et se termineront plus tard. La suivante. Alors celle-ci, c'est pour résumer un peu les impacts sur notre territoire et dans les régions dont je vous ai parlé, mais c'est valable pour toutes les régions françaises, sur la santé. On a parlé d'une augmentation des inondations. Donc, quand on parle d'augmentation des inondations, c'est une augmentation des impacts physiques, blessures, noyades, comme on l'a vu récemment, malheureusement. Des impacts psychologiques post-traumatiques quand vous avez perdu vos biens. Des dégradations de la qualité de l'eau. Des impacts avec des vagues de chaleur. De la surmortalité. Hein, Santé publique France, on a des chiffres. On sait, on prend souvent la canicule 2003 comme référence, c'est 15 000 décès hein, en France sur la canicule, et puis de 2014 à 2022, c'est environ 33 000 décès, et qui sont accentués par les phénomènes d'îlots de chaleur. Et puis c'est aussi dans une augmentation et dans les projections des maladies cutanées, des maladies oculaires, des cancers cutanés qui vont augmenter notamment chez les sujets de plus de 65 ans. Autre élément aussi, on s'aperçoit que on a de la faune envahissante, de la flore envahissante qui ne devrait pas être là en lien avec le changement climatique. Ici est représenté le moustique-tigre. Le moustique-tigre, il y a encore quelques décennies, était au sud de la France. On en a maintenant en Normandie. Et malheureusement, c'est suivi de près parce que ce moustique-tigre peut apporter des maladies infectieuses, notamment le chikungunya, la dengue, le Zika. La pollution atmosphérique. Alors, la pollution atmosphérique, ce n'est pas bien évidemment lié directement au changement climatique, c'est nos rejets, mais il faut comprendre que le changement climatique exacerbe la pollution atmosphérique, c'est-à-dire qu'il renforce la pollution atmosphérique lors des phénomènes anticycloniques, qu'ils soient froids ou chauds. Et donc, forcément, une augmentation de la surmortalité, des pathologies chroniques comme les maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Et enfin, des plantes envahissantes qui apportent des pollens allergisants, et nos collègues de la santé qui ont travaillé sur ces sujets dans les GIEC et GREC indiquent que les allergies vont augmenter. La suivante, un exemple. La biodiversité, vous le savez, est menacée. On a beaucoup d'exemples sur la biodiversité. Alors, biodiversité, l'érosion, ce n'est pas le changement climatique au départ, hein. C'est quand même les activités humaines avec la réduction, morcellement, disparition des habitats. Mais ce qu'on estime dans les travaux du GIEC, c'est que le réchauffement climatique pourrait devenir la principale cause, hein, d'érosion de biodiversité. Et vous avez un exemple ici sur le hêtre, la répartition actuelle et la répartition future en 2100. Et vous voyez que dans toute la partie ouest, à part le nord, il n'y a plus de hêtre. Hein. Et quand on est en bleu, c'est un maximum de présence de 30%. Donc le hêtre, vous voyez, vraiment sera cantonné à l'est de la France. Alors une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il nous reste peu de temps pour agir. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait que nos émissions de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2025. Vous voyez? C'est demain. Pourquoi? Parce que les émissions continuent à augmenter. Il faudrait donc inverser la courbe. Il faudrait les réduire de moitié d'ici 2030 et qu'on atteigne le net zéro en 2050.
Les deux maîtres mots, bien évidemment, c'est l'atténuation et l'adaptation qui doivent être menées à toutes les échelles, l'échelle internationale, nationale, régionale, locale et à l'échelle du citoyen. Nous pouvons apporter notre contribution tous. Et surtout, sur lequel le point j'insiste, c'est qu'il faut lier les deux. L'atténuation et l'adaptation doivent être liées. Atténuer les effets du changement climatique, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi on atténue? C'est pour essayer de s'adapter au mieux. Typiquement, réduire, atténuer et se limiter à 1,5 degré, l'adaptation sera difficile, mais elle sera moins difficile que si on est sur une trajectoire actuelle de plus de... Actuellement, on est sur une trajectoire de plus 2,8 degrés. Et pour la France, ça veut dire plus 4 degrés. Et donc, vous comprenez bien, avec cette trajectoire-là, l'adaptation sera très difficile. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés, non pas 1,5 degré, il faudrait que chaque être humain sur cette Terre consomme au maximum 2 tonnes équivalent CO2 par an. Vous avez à côté l'empreinte carbone de la France en 2021. C'est 8,9 tonnes de CO2. Donc vous voyez, il faut diviser notre empreinte par 4,5. Ce schéma, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez le regarder tranquillement. C'est pour vous montrer aussi dans nos émissions annuelles de gaz à effet de serre en 2021, donc en millions de tonnes équivalent CO2, quels sont les secteurs qui émettent le plus de CO2. Et vous voyez que pour la France, des émissions directes, hein, pas indirectes, directes, c'est le transport à 30%. Ensuite, on a l'agriculture, le résidentiel tertiaire et l'industrie à 18-19%. Bien évidemment, si j'avais pris à l'échelle globale ou d'autres pays, ce serait l'énergie qui sortirait en premier, mais pas pour la France. La suivante. Alors, ça, c'est les engagements de la France qui s'appliquent aux régions. Il faut diminuer de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, soit une réduction de 5% par an. Ça suppose une diminution dans tous les secteurs d'activité. Et ce schéma est intéressant parce que quand vous regardez ce qui est représenté en gris, ça montre, vous voyez, 1990, 2019, 2022 et 2030. Ça montre qu'on a déjà fait des efforts. Si vous prenez entre 90 et 2022, vous voyez qu'on a diminué de 136 millions de tonnes nos émissions. Cependant, vous voyez qu'entre 2022 et 2030, il faut diminuer de 139 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on doit faire le même effort en moins de 10 ans que l'effort qu'on a effectué en 30 ans. Les autres éléments aussi intéressants, c'est que ça permet aussi de voir quels secteurs ont déjà fait des efforts et quels secteurs n'en ont pas fait. Regardez le transport. Le transport entre 90 et 2022, aucun effort. On a même augmenté nos émissions. Donc ça nous interpelle sur le fait qu'il va falloir faire des efforts et vous avez les efforts qui sont proposés pour atteindre nos objectifs. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y a deux autres éléments intéressants, c'est l'agriculture. L'agriculture, vous savez, il y a eu quelques soucis ces derniers temps avec le monde agricole sur ces sujets-là. Mais regardez bien, c'est le monde, alors peut-être qu'il y a eu un problème de pédagogie. Mais regardez, c'est au monde agricole, au secteur agricole qu'on demande de faire le moindre effort par rapport aux autres secteurs. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a la sécurité alimentaire derrière l'agriculture. Et puis le dernier élément, ce serait l'industrie. Regardez l'industrie. Quand on regarde comme ça, on se dit, oh oui, l'industrie a fait beaucoup d'efforts. Mais en réalité, ça cache la désindustrialisation. Voilà, donc ne pas penser, une lecture rapide voudrait dire, c'est l'industrie qui a fait le plus d'efforts. Et ce n'est pas vrai. Et puis, encore finalement, un dernier élément, c'est les puits de carbone. Les puits de carbone, comment on stocke? Parce qu'on peut diminuer nos émissions, mais on peut stocker dans nos forêts, dans les zones humides. Et là, on a un souci, parce que vous voyez, en 90, on stockait 24 millions de tonnes, on n'en stocke plus que 13. Voilà, et on voudrait monter à 34. Alors, tout ça suppose augmenter les investissements dans les options bas carbone et l'efficacité énergétique. Vous voyez, d'ici 2050, pardon, faut multiplier par 5. Augmenter bien évidemment la production électrique en renouvelable. D'ici 2050, les objectifs, c'est entre 50 et 85%. Alors ça suppose quoi? Ça suppose s'appuyer sur le déploiement de solutions technologiques actuelles matures. C'est-à-dire qu'on a des solutions actuellement qu'on peut appliquer pour faire ces efforts.
Ça s'appuie aussi sur de l'innovation technologique et accélérer leur développement. Vous avez le même un chiffrage. Vous voyez, on peut faire 63% du chemin avec les solutions sous la main. La technologie et les innovations, c'est 18%. Mais il y a un élément qu'il faut comprendre qui rentre dans l'équation, c'est la sobriété. Si nous ne faisons pas preuve de sobriété, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs. Donc la sobriété, c'est bien évidemment sur l'énergie, mais ce n'est pas que l'énergie, c'est la sobriété sur toutes les ressources, et ça suppose des changements de comportement. Et la sobriété, c'est 19% du chemin. Donc pensez que nos comportements ont un rôle aussi important dans l'équation. Alors ici, c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, parce qu'il faudrait y passer trop de temps, mais c'est pour vous ayez ces informations-là que vous pourrez regarder à tête reposée, c'est que l'État a proposé 52 leviers d'action. Et on retrouve le même code couleur. Quand on est en bleu, c'est les transports. Et vous voyez, juste un exemple, eh bien, pour atteindre ces objectifs de réduction, la voiture électrique, normalement, les objectifs sur la voiture électrique, c'est diminuer de 11 millions de tonnes. Donc vous avez des objectifs, ce qui est intéressant, chiffrés. Le rouge, c'est l'industrie. Et l'industrie, on s'aperçoit que si les 50 plus grands sites industriels faisaient des efforts, on ferait la moitié du chemin pour l'industrie dans la réduction. Voilà. Donc vous pourrez regarder ça à tête reposée. Et puis, ce qui est intéressant, ça, c'est le plan décliné pour l'État. Et l'État a aussi propose pour chaque région. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, aller sur le secrétariat général de la planification écologique et vous verrez pour votre région comment sont déclinés ces leviers. C'est-à-dire qu'il y a des COP régionales qui ont été mises en place et on va appliquer ces leviers et on va les adapter au contexte de chaque région. La suivante. Alors, c'était aussi, je vous ai parlé des risques, hein, des risques, et notamment comment on fait face et comment on s'adapte à ces risques d'inondation, notamment. Ben, je dirais, il n'y a pas 30 000 solutions. Il y a trois solutions. La première, bien évidemment, qu'on ne va pas préconiser, c'est on accepte les dommages éventuels, on laisse faire. Mais pensez bien qu'il y aura un problème assurantiel. Il y a déjà des problèmes d'assurance. Le deuxième, on peut se dire, on surdimensionne nos ouvrages. Mais est-ce qu'on peut surdimensionner nos ouvrages partout? Et puis une digue, quand elle casse, ça a des effets aussi importants. Donc ça veut dire qu'il y a toute une réflexion à mener à l'échelle des territoires. Quelles sont les portions de territoire que l'on protège? Quelles sont les portions de territoire qu'on ouvre à la mer? Et les Pays-Bas sont déjà dans cette logique-là. C'est qu'il y a des portions de territoire qu'on va devoir ouvrir à la mer, laisser entrer l'eau, mais c'est à nous plutôt de la guider, de réfléchir comment on envisage tout ça. Alors, ce n'est pas très vendeur, ça s'appelle du recul stratégique, parce que si vous laissez entrer l'eau dans certaines portions de territoire, ça veut dire qu'il faut relocaliser éventuellement des entreprises, de l'habitat. Mais c'est la seule solution envisageable. Et la dernière diapositive qui s'anime. Alors aujourd'hui, voilà, on fait grâce à l'UVED, aujourd'hui on fait de la communication, sensibilisation, et grâce à l'UVED, il y a eu tout un pan sur le sujet climatique de formation qui vous a été proposé. Et ça, la formation, c'est essentiel. C'est essentiel parce que quand on doit prendre en compte ces éléments-là en tant que citoyen dans son propre métier, c'est bien d'être sensibilisé, mais il faut aussi être formé pour prendre les bonnes mesures. Les éléments suivants, donc j'en ai déjà parlé. La difficulté, c'est que, vous voyez qu'on parle d'atténuation, d'adaptation, il faut que ce soit réfléchi, partagé, engagé par tous les acteurs de manière concertée et structurée. L'échelle régionale est intéressante pour mettre les acteurs autour de la table. Il y a beaucoup d'initiatives, hein, qui sont mises en place, mais elles sont souvent éparpillées. Donc il faut essayer de les recenser, voir celles qui sont positives, négatives. Le négatif est intéressant pour ne pas le reproduire. Et puis l'adaptation, c'est vraiment quand on veut s'adapter, on ne va pas s'adapter de la même façon, vous l'avez compris, quand on est à Marseille, quand on est à Rouen, quand on est à Paris, quand on est sur le littoral, quand on est en bord de fleuve. Donc l'adaptation, c'est en fonction des spécificités de chaque territoire. Donc là encore, c'est pour ça que l'échelle régionale est intéressante. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à un projet global de territoire où on intègre les risques, vous l'avez compris, le risque zéro n'existe pas. Les technologies, j'en ai déjà parlé, celles qu'on a sous la main et celles sur lesquelles on doit innover. Et la sobriété.
Et ça veut dire aussi que sur certains territoires, ces contraintes peuvent être aussi une opportunité pour redynamiser certains territoires. Et le dernier élément, c'est que, bien évidemment, on a besoin d'un socle scientifique solide. Si on n'a pas de socle scientifique sur ces sujets-là, que ce soit le changement climatique, la biodiversité, si on n'a pas de connaissances, on ne sait pas, on n'a pas les éléments. C'est-à-dire parler d'adaptation, par exemple, eh ben, si on n'a pas la connaissance en région, on va s'adapter à quoi? Quelles sont les vagues de chaleur? Quelles sont les inondations? À quoi on doit s'adapter? Donc cette connaissance scientifique, c'est le socle pour construire, pour la prise de conscience et proposer des mesures vraiment appropriées, pardon, au territoire, les mesures qu'on doit déjà prendre et qu'on devra prendre dans le temps. Et j'en ai terminé. J'ai dépassé d'une minute apparemment, donc j'étais bien dans le timing. Vincent. Merci beaucoup, Benoît, pour votre présentation, ce timing parfait. Alors, cette présentation qui renvoie à de nombreuses vidéos, à de nombreux directs, et c'est fort intéressant et j'invite chacun à essayer de faire des passerelles entre ce qu'il entend aujourd'hui et ce qu'il a pu voir peut-être par le passé. Alors, je vais amorcer ce temps d'échange, Benoît, peut-être avec une première question ou un premier groupe de questions relatifs à ces groupes régionaux d'études hein, ou d'évaluation des études sur le changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y avait des COP régionales qui concernaient toutes les régions? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des GREC à l'échelle de toutes les régions? Deuxième question, est-ce que on a donc un système à trois échelons d'expertise scientifique, mondial, national, régional? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'à terme, en fonction des possibilités de la recherche, d'autres échelles devraient être trouvées. Et enfin, ce qui est mis en place à l'échelle de la France, qui se déploie actuellement avec ces GREC, est-ce que c'est quelque chose qui se met en place dans d'autres pays également, puisqu'on voit bien toute la valeur ajoutée de cette expertise régionale? Donc peut-être un premier ensemble de questions là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, sur les Grecs régionaux, ils se sont montés au fur et à mesure. Hein, voilà. Donc, le plus ancien, c'est en Aquitaine. Voilà, il y a eu l'Occitanie. Donc, il n'y en a pas encore actuellement dans toutes les régions. Voilà. Mais voilà, progressivement, je pense qu'il y en aura parce que voilà, dans le Grand Est, ils sont en train de réfléchir aussi pour qu'il y en ait un. Les Hauts-de-France, il y en a un nouveau déclaré récemment. Alors ils ont des fonctionnements un peu différents, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a un ancrage très territorial et qu'on travaille avec les collectivités ensemble. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Et effectivement, toutes les échelles sont nécessaires. Toutes les échelles sont nécessaires. Parce que quand on parle après de mesures d'atténuation et d'adaptation, comme je l'ai dit, ça concerne tout le monde. Et ça concerne les pays, les négociations au sein des COP, voilà. Mais ça concerne les régions. Les COP régionales sont là aussi. Les GREC sont là pour apporter la connaissance, sensibiliser à ces sujets-là. Les COP sont là, régionales, pour justement mettre en place des mesures d'atténuation, d'adaptation en s'appuyant sur les connaissances. Et donc, toutes ces échelles-là sont vraiment importantes. Et je dirais, il pourrait y avoir aussi des échelles plus locales. Ben, je vais vous donner un exemple parce que à la métropole de Rouen, il y a une COP, il y a une COP locale de la métropole de Rouen. J'en suis aussi son président. Et donc, pour décliner aussi la connaissance à l'échelle du territoire métropolitain. Alors, est-ce qu'il en faut partout? Là, le problème qu'on va avoir, c'est aussi les scientifiques disponibles. Parce que moi, sur ma région, je pourrais prendre l'exemple du Havre, qui m'a aussi contacté pour éventuellement mettre en place une COP sur la métropole du Havre. Et à un moment donné, notre difficulté aussi, c'est que les scientifiques qui sont dans ces GREC ou GIEC régionaux, la plupart, on le fait bénévolement. Donc on y passe beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement parce qu'on y croit, mais à un moment donné, on est forcément limité en nombre. Et donc déjà, avoir ces Grecs à l'échelle de toutes les régions, ça, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié une question, Ben Vincent. peut-être de toute façon, le temps passant, et je vois qu'il y a pas mal de questions posées, je vais avancer. Il avait été proposé à tous les participants, à tous les inscrits au MOOC, de poser leurs questions à titre de préparation de ce direct. Je vais peut-être vous en poser une, Benoît, sur atténuation et adaptation, parce qu'il a été
On a eu l'impression, en regardant votre vidéo de cours, qu'il était souvent beaucoup question d'adaptation sur la base des changements que l'on pouvait peut-être anticiper, et peut-être qu'il était moins question d'atténuation. Est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, il y a deux choses. Vous avez vu d'ailleurs dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui, j'ai parlé plus d'atténuation presque que Oui, j'avais effectivement, d'adaptation. c'est plus Voilà. équilibré peut-être que dans la Voilà. vidéo de MOOC, c'est exact. Oui, mais parce que comme la vidéo était quand même très liée aux Grecs et notamment à celui en Normandie, et je sais que les Grecs, on est parti du principe, en tous les cas, moi, l'expérience que j'ai sur celui normand, que il y avait, même si ce n'est pas suffisant, il y avait déjà beaucoup de choses de faites en termes d'atténuation. Dans la région Normandie, dans la métropole de Rouen, mais par contre, il y avait vraiment beaucoup de manque sur l'adaptation et qu'on était très en retard sur l'adaptation par rapport à d'autres pays. Vous avez parlé d'autres pays, notamment quand on regarde les pays comme les Pays-Bas ou les pays un peu plus nordiques, et qu'on était très en retard. Donc, on a pris le parti pris de développer les connaissances et d'aller plus sur l'adaptation que l'atténuation. Mais vous voyez bien que l'atténuation fait quand même partie, bien évidemment, les deux sont très liés. Hein, voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi aujourd'hui sur l'atténuation et ce qui est surtout important, c'est de les regarder de concert. Et quelquefois, ce n'est pas le cas. C'est regarder trop en silo. Et ça, c'est important parce que les deux sont liés. Hein. Sur le forum du MOOC était posée une autre question. Alors peut-être qu'elle était très précise, Benoît. Je vous en ai parlé avant. C'était au niveau de la tourbière de Boopt en 2026 avec une remise en eau. Mais peut-être cette question en appelle une autre plus globale qui fait le lien avec un message qui est posté sur le fil de discussion sur la comptabilité carbone à l'échelle de la région Normandie. Mais qui s'en occupe? Comment ça marche par rapport à la forêt, aux émissions liées au transport, etc. D'où viennent ces données? Comment sont-elles générées? Alors, la comptabilité carbone, nous, dans la partie les experts du GIEC, on ne s'est pas intéressé à ça, hein, puisque la comptabilité carbone, il y a des services, hein, dans la métropole, il y a des services à la région, il y a des méthodes pour faire les bilans d'émissions de gaz à effet de serre aussi, de l'ADEME, hein, la référence pour la comptabilité carbone et les émissions de gaz à effet de serre, c'est les méthodes voilà, qui sont développées à l'ADEME. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés avec l'ADEME. Voilà. Alors, beaucoup de questions sur l'éducation, parce qu'on a bien compris que l'un des rôles des Grecs, c'était de produire de la recherche, enfin d'évaluer l'état des connaissances et ensuite d'aller vers les acteurs du territoire. Une autre question posée sur le forum du MOOC, toujours pour préparer ce direct, est-ce que vous pourriez, Benoît, rappeler les différentes actions de sensibilisation qui sont menées par le GIEC normand? Est-ce que finalement ça touche tout le monde ou est-ce que c'est plutôt auprès des écoles, du grand public? Et puis ensuite, on va bien sûr aller sur la question des élus, qui sont des acteurs importants, mais il y en a beaucoup, parce qu'il y a tout un échelon administratif important dans les territoires. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, nous proposer un panorama de ce que vous faites concrètement pour aller vers ces acteurs et éventuellement répondre à la question, vous allez vers eux, mais est-ce que eux vous sollicitent également? Est-ce qu'ils sollicitent votre expertise? Alors, comme le GIEC Normand, ça s'est fait vraiment en partenariat très très fort avec la région. Et notamment le président de région, je dirais, qui venait à nos séances de travail. Hein. Donc il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place pour qu'on touche tous les acteurs du territoire. Que vous ayez, ça a été les entreprises, les chambres d'agriculture, les proviseurs de lycées. Tous les acteurs du territoire. On a organisé par la région, les élus, hein, bien évidemment, les élus régionaux, les maires, tous les maires de la région, hein, on l'a fait en deux fois, ont eu, sous forme de conférences et d'échanges, des restitutions de nos travaux, et ça a été 40 dates, 40 conférences qui ont été animées. Et depuis, on est un peu sursollicité. Vous avouerez, moi, le premier, je pourrais en donner quasiment une par semaine. Et en 3 ans, c'est 80 conférences, 15 000 personnes touchées, tous secteurs confondus. Voilà. Ça veut dire que vous avez besoin de davantage de troupes, Benoît, pour... Tout à fait. Alors l'idée, ce serait de... Oui, parce que quand vous voyez les experts du GIEC, on est 23. La métropole, on est une quinzaine. Et à un moment donné, chacun a aussi un peu sa thématique et on est très peu nombreux à pouvoir brosser aussi l'ensemble. Et donc l'idée, c'est de travailler aussi à former des ambassadeurs.
Voilà. Avoir vraiment des ambassadeurs sur le territoire pour que ce ne soit pas toujours les mêmes sollicités, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé des écoles, des lycées. Bah, bien évidemment, on ne peut pas aller dans toutes les écoles et les lycées. Je l'ai fait. Souvent, ce que j'ai demandé, en tous les cas, moi ou mes collègues, c'était qu'il y ait des regroupements, c'est-à-dire qu'on le fasse pour plusieurs classes, plusieurs lycées en même temps. Ça s'est fait dans des cinémas où ils ont regroupé plusieurs classes de lycées, mais à un moment donné, voilà, on est contraint par le. Voilà, on n'est pas suffisamment nombreux, et à un moment donné, il faut des ambassadeurs. Mais encore faut-il que les ambassadeurs soient correctement formés. Voilà. D'accord. Est-ce que le développement de ces Grecs, de cette expertise régionale, incite à décider, à produire des décisions d'une manière un petit peu différente, de manière plus participative? Ce qui est un peu l'esprit des COP, hein, c'est de trouver des compromis pour avancer, pour l'adaptation, pour l'atténuation. Est-ce que c'est le cas aussi de ce qui se fait à l'échelle locale, où on a tous en tête peut-être des expériences autour de la citoyenneté, où on met plusieurs personnes autour de la table, alors pas forcément comme des conventions citoyennes, mais est-ce qu'il y a ce type d'émergence dans les territoires pour décider et construire ensemble des décisions qui sont hyper complexes et qui remettent en question beaucoup de choses? Alors c'est plus ou moins avancé dans les territoires. Alors là, les COP régionales ont accéléré les choses. Moi, je peux parler de ce que je connais bien dans ma région. Et effectivement, hein, l'idée, suite à nos travaux, il y a eu une première phase donc de l'état des connaissances, une deuxième phase de sensibilisation, communication, et une troisième phase où la région a mis les acteurs du territoire autour de la table pour proposer, justement, qu'il y ait cette partie participative avec les acteurs pour proposer des premières mesures d'atténuation et d'adaptation. Donc il y a une série d'une quarantaine de mesures dans un premier plan et ça va continuer. Et il y a aussi, alors là c'est plutôt sur la métropole de Rouen, il a été mis en place une convention citoyenne aussi. Voilà, il y a différentes formes possibles, une convention citoyenne pour apporter aussi une réflexion du citoyen, proposer des mesures, et avec aussi, comme ça s'était fait au niveau national, avec une formation d'abord par les experts. Voilà. Donc, différents formats possibles, hein, qui se mettent en place, certaines régions sont plus avancées que d'autres, mais tout ça est en train de se mettre en place. Et vous parlez d'hétérogénéité entre les régions qui n'avancent pas à la même vitesse. Est-ce qu'au sein de la région Normandie, j'imagine, c'est aussi hétérogène? Est-ce que vous observez que certaines typologies de territoires s'emparent davantage de ces questions ou est-ce que c'est difficile à dire? C'est un peu difficile à dire. Moi, j'ai plutôt des exemples on vient vers moi en ayant mis en avant déjà des actions. Quand on discute avec les maires, par exemple, ils sont maintenant, je pense, pour la plupart sensibilisés. Et voilà. Alors, c'est toujours peut-être les maires les élus qui ont mis en avant voilà, plus d'actions, c'est ceux qui ont été touchés les premiers, peut-être. Vous voyez, moi, j'ai des exemples sur des maires sur le littoral. Ont eu voilà des avec qui à un moment donné se sont dit bah, les digues elles cassent, on a des problèmes d'inondation, et j'ai un exemple où l'élu a décidé par exemple sur un camping de le délocaliser. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place, mais là aussi c'est très hétérogène à l'échelle du territoire. Et ce qui nous manque aussi, c'est ça, je l'ai dit rapidement, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais j'arrive pas à avoir une vue exhaustive. J'aimerais que la région nous fasse peut-être une compilation de toutes les initiatives qui sont mises en place, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que ce qui n'a pas marché est aussi intéressant, et on a du mal à avoir cette vision exhaustive. Et la question des initiatives, elle fait partie justement des questions qui sont posées dans le fil de discussion. On a chacun sur nos territoires envie un peu de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Et en tout cas, pour l'instant, ça peine. En tout cas, il n'y a pas énormément de compilation, de capitalisation en fait de Oui, toutes ces tout à fait. expériences de terrain avec ce qui marche pas, etc. Ça, c'est votre observation, Benoît. Ah, moi, c'est mon observation, et j'aimerais vraiment, je porte le souhait qu'on ait cette synthèse de ces initiatives, et voilà, pour qu'on ait des retours d'expérience. Moi, sur ces sujets-là d'atténuation, d'adaptation, je crois beaucoup à l'expérimentation. L'expérimentation, mais il faut accepter aussi que l'expérimentation peut échouer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que si ça a échoué, c'est de comprendre pourquoi, pour ne pas reproduire les mêmes choses, voire les adapter à chaque territoire. Et ça, c'est mon souhait le premier. On a besoin de ça. Et on n'a pas encore suffisamment. Moi, je reprends en région, je prends toujours un peu les mêmes exemples. Voilà, une petite ville très proche de Rouen où le maire s'est positionné.
depuis très longtemps sur les énergies renouvelables, et quand il vient faire une table ronde lors des événements, il vous dit la crise énergétique, moi je ne l'ai pas vu passer. Voilà, parce que j'avais mis en place des renouvelables depuis très longtemps ma commune, et ça, vous comprenez bien que pour d'autres maires, c'est très très parlant. Voilà. Alors, peut-être revenons sur la question de l'atténuation, de l'adaptation. Je vais préciser et je rebondis toujours sur les messages qui sont laissés sur le fil de discussion. On voit bien à travers tous vos exemples, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Normandie, on voit bien les effets du changement climatique. Et quelque part, les territoires se disent, les effets, on y va tout droit. La question de l'adaptation, elle se pose extrêmement naturellement. Mais est-ce qu'elles ont des difficultés à s'imaginer contribuer par de l'atténuation à quelque chose qui nous dépasse de beaucoup par la quantité de gaz à effet de serre dont on est responsable au niveau des territoires? Au niveau national, ce sont les fameux 1% qui sont généralement brandis pour dire, ben vous voyez, ce n'est pas si significatif que ça. Donc, est-ce qu'il y a une asymétrie dans la prise en compte de la nécessité d'adaptation et d'atténuation? Et je vais plus loin sur une autre possibilité d'asymétrie, peut-être à laquelle vous allez me répondre. Est-ce qu'il y a une asymétrie entre le désir d'apporter des solutions, ce qu'on appelle le techno-solutionnisme, en disant, ben, vous voyez, on va avoir les solutions pour capter du carbone, etc., pour adapter enfin, ou atténuer nos émissions, et des mesures qui sont plus relatives, je pense aux solutions fondées sur la nature, ça fait écho à ce qu'on a entendu récemment, je pense à la sobriété dont vous avez parlé et de manière sous-jacente à la question de la décroissance. Comment sont traitées ces différentes questions? Est-ce qu'elles sont mises sur un pied d'égalité ou... Ah, c'est tout. Vous avez mis le doigt sur toute la complexité du problème. J'en suis conscient, mais peut-être à votre niveau, Benoît, quelques Voilà, c'est clair. impressions. Et que non, c'est pas traité sur le même pied d'égalité. Je le disais aussi. C'est des fois un peu trop regardé en silo, l'atténuation et l'adaptation. Et comme vous l'avez dit, l'atténuation, ce qui ressort aussi des échanges, que ce soit avec les élus et les citoyens, c'est effectivement sur la partie atténuation, c'est la France représente 1%, et donc qu'est-ce que c'est par rapport aux émissions des États-Unis ou de la Chine? Sauf qu'il faut comprendre que vous voyez que dans le chemin qu'on doit mener, notre part n'est pas négligeable. Je vous ai dit, c'est globalement 20%. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, il faut réduire. C'est pas nous qui émettons le plus, mais il faut montrer l'exemple, là encore. Il faut montrer l'exemple aux autres États, et notamment là, sur l'atténuation, c'est les négociations entre États. Quand vous avez l'Inde, avec lequel c'est très difficile à négocier, et que l'Inde vous dit, oui, mais vous avez atteint un niveau d'économie et un niveau de vie tel, mais qu'avant, bah, pour arriver à ça, vous avez émis beaucoup. Parce que les émissions, c'est 1% actuellement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi ce qu'on a émis avant. Dans les discussions qu'on a avec les pays, c'est des pays comme l'Inde vont dire, oui, c'est peut-être que nous, on émet plus maintenant, mais regardez, donc il faut arriver à montrer nous-mêmes l'exemple, la France et l'Europe, pour arriver à attirer sur ce chemin-là les autres États. Voilà. Et effectivement, et l'adaptation, alors le solutionnisme, la technologie, vous avez compris ce que, voilà, je vous ai dit, c'est 18%. C'est la technologie, c'est la technologie 60% ce qu'on a sous la main, les innovations. Mais là encore, il faut comprendre que si on ne fait pas preuve de sobriété, on ne boucle pas. On ne boucle pas. Donc la sobriété fait partie de l'équation. Et c'est nos changements de comportement. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas avec les technologies. Et effectivement, dans les échanges qu'on a parfois, ça évolue. Les technologies vont tout faire. Non, non, non. Il faut se sortir ça de la tête. Les technologies ne vont pas tout faire. C'est un ensemble. Et effectivement, dans cet ensemble-là, vous l'avez bien dit, il y a les solutions fondées sur la nature, ce qui est, voilà, ce sont des types de solutions. On a toute une série de solutions. Il faut les prendre en main. Ce n'est pas une seule solution. La capture du CO2, là aussi, si je reviens sur les étapes, vous discutez avec l'Arabie Saoudite, vous allez comprendre. L'Arabie Saoudite, l'atténuation, on s'en moque, on va faire que de la capture. Eh ben, sauf que la technologie sur la capture, elle n'est pas au point déjà, et ce n'est qu'une partie de la solution. Donc il faut réfléchir sur cet ensemble, et là encore, on atténue pour s'adapter au mieux. Si on n'atténue pas, l'adaptation sera difficile, et les deux sont vraiment liés. Et ça, c'est aussi un problème. C'est un problème parce qu'on a souvent dans les collectivités,
d'un côté, et même l'État, hein, le plan d'atténuation, de l'autre côté, le plan d'adaptation. Tout ça doit se croiser. À propos de choses qui doivent se croiser, vous avez, je l'ai présenté tout à l'heure en introduction, quand j'ai parcouru en tout cas vos différentes responsabilités, vous avez l'originalité, la particularité de vous impliquer à la fois au plan des COP internationales et aussi au plan régional. Comment les deux s'alimentent pour vous? Est-ce que l'un est nécessaire pour animer l'autre? Enfin, qu'est-ce que ça change dans votre manière de voir les problématiques locales que de les appréhender au niveau international? Je pense qu'il faut avoir cette vision-là à un moment donné un peu systémique et pluriéchelle, notamment quand on réfléchit aux solutions qu'on doit mettre en place. Quand on doit mettre en place, il y a des solutions qui se posent au niveau des États, il y a des solutions qui se posent au niveau des régions et qui doivent être adaptées, comme je disais, aux spécificités de chaque région. On ne peut pas décliner ça simplement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau international aussi, ça permet de reposer le contexte régional par rapport à l'international. Vous voyez, quand on parle d'un réchauffement, d'une trajectoire à l'international à plus 2,8 degrés, mais qu'est-ce que ça veut dire, un chiffre global? Pour la France, c'est pas 2,8, pour la France, c'est plus 4. Donc ça, il faut arriver à faire comprendre dans la sensibilisation et la formation que voilà, il y a des jeux d'échelle, c'est compliqué. Et moi, ce qui est intéressant, je trouve intéressant dans mon parcours, c'est que ça me permet de mesurer ces jeux d'échelle et puis dans les solutions, voir ce qui relève finalement plus, vous voyez, dans la discussion et toutes les questions que vous m'avez posées, ce qui relève peut-être plus de l'État, ce qui relève plus du citoyen ou de la région. Voilà. Peut-être une dernière question sur l'adaptation avant de revenir à celle de la formation. Je prends les choses peut-être un peu dans le désordre, hein, je vous prie d'en Non, non, excuser, mais mais bien voilà, sûr. j'essaie de. Voilà. Sur l'adaptation, vous l'avez montré avec la question du repli stratégique. Est-ce que les acteurs des territoires ont conscience qu'après un certain seuil d'élévation de la température, de l'atmosphère, la question d'adaptation devient très difficile, voire que nos capacités d'adaptation sont probablement dépassées? Est-ce que vous arrivez à le quantifier, vous, à peu près? Ou à mettre sur la table cette information-là. Ça a été démontré dans le MOOC à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Alors, scientifiquement, oui, puisque suivant les scénarios, on est capable de dire, vous voyez, un réchauffement de 1,5 degré au niveau global, c'est une augmentation de X des sécheresses à plus 2,8 degrés, on multiplie davantage. Donc, de façon chiffrée, on peut le démontrer. Quand on fait une simulation des inondations sur la Seine, effectivement, à 1,5 degré ou à 4, les inondations ne sont pas les mêmes, les tempêtes aussi. Donc, ça, on peut le chiffrer. Par contre, la prise de conscience, bah, je dirais, on en est loin. On en est loin. Les personnes vous disent, vous écoutent et vous disent, oui, il faut mettre en place de l'adaptation. Alors, c'est compliqué, mais il y a encore beaucoup de travail à mener pour qu'il y ait cette prise de conscience. C'est toujours la même chose. Ceux qui sont plus conscients, c'est ceux qui ont déjà été touchés. Ont déjà été touchés par des inondations, qui ont déjà été touchés par des vagues de chaleur. Malheureusement, par des décès, par des... Voilà. Et malheureusement, il faut... C'est le propre de l'homme, hein, comme je dis souvent, de réagir quand il est les pieds dans la mouise. Mais sur ces sujets-là, on peut quand même anticiper. Vous voyez, l'atténuation, c'est en cours. L'adaptation, on a encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup, hein. Vous voyez, comme je disais, vous prenez toutes les régions françaises. Là, en 2, 3 ans, il n'y en a pas une qui a été épargnée, soit par des vagues de chaleur, de l'incendie, des inondations. Et vous voyez, les inondations, ça tombe sur toutes les régions. Et c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui nous attend d'autant plus que si on est sur un réchauffement global à plus de 8. Mais ça, on n'arrive pas encore. Moi, je n'ai pas vu le déclic. Certains maires, oui, certains élus, mais ils sont peu nombreux, hein. Voilà. Sur la question de l'adaptation, une dernière question. Il a souvent été question, y compris dans le MOOC, de la question de la maladaptation. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir rapidement sur cette idée d'une maladaptation, peut-être avec des exemples concrets? Et on a bien compris en réponse à la question de Corinne que les solutions fondées sur la nature ne sont pas des exemples de maladaptation. C'est plutôt ce vers quoi il faudrait tendre dans bien des contextes. Oui, bien sûr, parce que alors la maladaptation en tête, je me viens pas d'idée comme ça en tête, mais la maladaptation aussi, c'est éventuellement, comme vous l'avez dit à un moment donné, sur des solutions
technologique, ou on va dire par exemple la maladaptation, se dire on va mettre des digues partout et on va relever tous les digues. Ce que j'ai entendu il y a quelques années, mais par exemple sur la Seine, en nous disant oui, c'est pas grave, hein, on relève les digues partout. Bah, typiquement, si vous faites ça, bon, déjà vous n'avez peut-être pas l'argent pour faire ça partout, mais à un moment donné, de toute façon, l'eau, elle doit entrer quelque part. Donc, avoir des solutions, on se dit on met des digues et voilà. Alors, peut-être à certains endroits pour protéger certains endroits, mais pas partout. Et ça peut être de la maladaptation. Voilà, se dire que oui, effectivement, la technologie, l'innovation, les solutions fondées sur la nature ne feront pas tout. Mais ça, effectivement, bah, l'histoire du marais se pose la question ici sur la Normandie. On a des grands marais. Est-ce qu'il ne faut pas inonder ces marais-là pour protéger d'autres endroits, construire autrement. Voilà, toutes ces questions se posent. Voilà. Mais la maladaptation, bah, là aussi, hein, on a des idées, les scientifiques, sur ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne connaît pas tout. Et faut, c'est pour ça que je disais, il faut expérimenter. Et peut-être qu'en expérimentant, on va se dire que bah, ce qu'on avait proposé là, c'était de la maladaptation. Et puis, il faut avoir aussi en tête qu'une solution qu'on prend à un moment donné, elle n'est peut-être plus valable à un autre moment dans le temps. Voilà. Et c'est ça aussi toute la complexité. Pour terminer, on a parlé de votre responsabilité à l'échelle internationale, à l'échelle régionale. Au niveau national, donc, vous êtes le fonctionnaire développement durable au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Toutes mes félicitations déjà pour cette nomination qui, je crois, est très récente. Tout Est-ce que à vous fait. pourriez nous dire et peut-être nous rassurer sur le fait que les cohortes d'étudiants d'ici quelques années auront au moins intégré l'urgence, la nature et l'urgence des enjeux environnementaux qui nous attendent et auxquels nous sommes déjà confrontés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre mission et sur ce qui est attendu en termes de formation des étudiants à la transition écologique? Alors, merci pour les félicitations, déjà. Effectivement, c'est très récent. Hein, ça, c'est sorti dans la presse récemment, mais ça a 3 semaines en réalité. J'ai eu ma lettre de nomination il y a 3 semaines. Mais la situation aussi, vous l'avez compris, est un peu compliquée actuellement. Donc, on verra comment les choses évoluent. Mais donc, la mission du haut fonctionnaire développement durable, hein, c'est de vraiment d'animer et coordonner notamment les stratégies de l'État en termes des grandes stratégies sur la transition écologique et les décliner dans l'ESR, dans l'enseignement supérieur à la recherche, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, dans les organismes nationaux de recherche. Et évidemment, il y a la recherche, il y a la réduction de notre empreinte environnementale et il y a la formation. Et avant d'être HFDD, j'étais déjà chargé de mission au ministère sur ces sujets-là, sur la formation. Et pour certains d'entre vous, le savez peut-être, il y a une note de cadrage suite à un groupe de travail où l'UVED a participé, bien évidemment. Sur la formation qui a été envoyée à tous les chefs d'établissement, sur la formation des étudiants de premier cycle, hein, qui doit être mis en place à la rentrée 2025. Donc tous les étudiants des écoles et des universités devront être formés à la rentrée 2025 avec des thématiques changement climatique, biodiversité, ressources, transition juste et équité sociale. 30 heures en minima. Et bien évidemment, moi, ça me paraissait une évidence, mais elle a été choisie aussi par le ministère parce qu'il y a des choses qui se feront en présentiel, mais également en hybride. Et l'UVED et le pôle national de ressources pédagogiques qui a été choisi pour justement accompagner l'ensemble de ces établissements dans la formation des étudiants de premier cycle. Et puis les choses vont continuer puisqu'il y aura une autre note de cadrage qui va sortir et qui sera envoyée au chef d'établissement en septembre pour la formation, l'acculturation et la formation des enseignants et des enseignants-chercheurs. Et on aura une troisième étape, là aussi avec des consultations à un groupe de travail, où on réfléchira sur l'intégration dans les disciplines. Parce que là, on est sur la formation d'un socle de base pour nos étudiants, parce qu'il faut savoir de quoi on parle au départ. Mais après, nos enseignants, enseignants-chercheurs peuvent intégrer ça dans leur discipline. Donc, il y a toute une programmation qui est mise en place et en espérant qu'elle continue, voilà, par la suite. Merci, c'est une note assez rassurante, bien qu'il faille encore la mettre en œuvre et que Bien tout n'est sûr. pas joué. Il y a encore beaucoup de Tout à questions fait, il qui y a se beaucoup de posent. travail et on compte Mais sur l'aide. oh bah, oh bah, Vraiment. bien sûr, et merci de signaler tous les apports, toutes les contributions du VED. Alors, il est bientôt 18h. Benoît, je voulais vraiment vous remercier pour votre présentation, votre disponibilité.
pour l'ensemble de vos réponses aux questions posées. Alors, je n'ai pas pu tout relayer, j'ai fait de mon mieux pour essayer de les assembler. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre compréhension. Beaucoup de sujets abordés ce soir. Il est 18 h, ce direct est maintenant terminé. Et ce direct étant terminé, c'est ce cycle de direct lié au MOOC Climat qui est également terminé. Cependant, avec UVED, vous savez qu'il y a toujours des projets qui arrivent. Ici, je vais en signaler deux, hein, deux mises à jour de MOOC sur le thème des arbres, avec beaucoup de questions qui ont été posées et un MOOC qui a extrêmement bien marché, donc en 2023 et ce début 2024, ainsi que sur le thème de l'océan, donc un cours que l'on avait produit en 2021 et avec une nécessité urgente de mise à jour en fonction des changements et de l'ampleur des changements qui aujourd'hui affectent l'océan, mais aussi il sera beaucoup question de solutions. Donc ce ne sont que quelques-uns des projets sur lesquels UVED travaille. Le message que je souhaite faire passer ce soir, c'est que UVED, quoi qu'il arrive, garde le cap et va continuer à proposer avec des chercheurs, grâce aux chercheurs, des contenus pédagogiques pour vous, pour les enseignants du supérieur. Ce message, il est fort, on insiste dessus, on y tient. Et donc, la route, le chemin, on va le garder et on va même essayer de monter en régime. Voilà un petit peu ce que je voulais dire ce soir. Benoît, merci beaucoup. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi. À bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.